les règles de lecture, c'est le sujet de ce cours vidéo. Les règles de lecture de la langue russe. Et pour votre commodité, j'ai divisé ces règles en deux parties et on commence par les voyelles. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de règle stricte pour une syllabe accentuée en russe comme en français. Et je crois que c'est une partie la plus compliquée pour les francophones. C'est toujours différent, comme dans ces mots d'exemple. Donc à gauche, vous voyez les voyelles russes, il y en a 10, et elles peuvent toutes être accentuées. Que ce soit la première syllabe, deuxième syllabe, troisième ou quatrième, comme dans ces quatre mots d'exemple. Donc, on les regarde plus proche. Le premier mot, c'est aist. Maintenant, ce sont des salutations formelles. Il y en a un peu plus. Formalne privetstvie. Salutations formelles. Il y en a 7. Alors, здравствуйте. Здравствуйте. Salutation la plus répandue, je crois. Здравствуйте. Il y a beaucoup de consonnes qui ne prononcent vraiment pas. Vous prononcez здравствуйте. Donc, si vous n'arrivez pas à prononcer correctement, divisez ce mot en trois parties et prononcez comme ça. Здравствуйте. 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 Compliment. У вас, у тебя, очень красивый. Pardon. Vous avez un très beau, une très belle, ou tu as. У вас, vous avez. У тебя, tu as. Очень красивый. Vous pouvez remplacer l'adjectif красивый par d'autres.